Contrairement à ce que disent les promoteurs du nucléaire, les inconvénients de l'industrie nucléaire ne se limitent pas aux risques hypothétiques d'accidents dans les centrales, ou à ceux pour les générations futures liés à une mauvaise gestion des déchets. Même en fonctionnement normal des installations, il y a des rejets radioactifs, pas seulement au niveau des réacteurs eux-mêmes, du retraitement ou de l'entreposage des déchets, mais dès l'extraction de l'uranium. Jusqu'il y a peu, l'industrie nucléaire française extrayait l'uranium du sol français. À Saint-Priest-la-Prugne, la mine d'uranium est fermée depuis une vingtaine d'années. Ça va, ça va. On est avec des amis journalistes qui nous font une vidéo sur les mines d'uranium. Voilà. Avec cet appareil, le niveau normal, c'est 200 coups par seconde. Là, à 1 mètre, j'ai presque 1000 coups par seconde. Et sur ce caillou, votre caillou rouge, là, regardez, il monte 5000, 6000, 7000, 5000, 8000. Parce que vous en aviez un autre caillou comme ça là. Il y en a un qu'on a enlevé. Vous l'avez enlevé là, l'amener là. Voilà. Vous l'avez un gros là, c'était comme celui-là, ça. Celui-là, il faudrait l'enlever aussi. Je l'ai emmené aussi. Ouais. Vous le voyez, on le voit bien, il est. Oui, oui, ils sont bien, oui. Il est rouge, il est rouge. Ça, c'est un caillou qui est très riche en uranium. Vous voyez la différence quand je vais m'éloigner. Oui. Ça baisse, hein. Il y a des gens qui, chez eux, en ont des pires que ça, hein, dans la maison, ah oui. pour décorer. Parce qu'il y en a un peu partout. Oh, il y en a partout, il y en a beaucoup là-bas partout, aussi. Là, je sais pas. Ouais. Parce que là, avec un petit coup de pioche. Ah oui, on peut l'enlever. Et vous le remettez bien dans la mine, hein. Ah oui, le remettez là-haut, là-haut. Sur la station. Sur la verse stérile. Oui. Ouais. Voilà, mais c'est impeccable. Donc au contact de ce caillou, on a un débit de dose de 10 microsieverts par heure, c'est-à-dire presque 100 fois le niveau habituel. Donc dans la cour de cette ferme, des remblais issus de la mine ont été déposés il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Oui. On le voit très bien à l'œil, ce type de gros caillou. Et même à 1 mètre du caillou, on a un niveau de radiation qui est 4 fois supérieur à la normale. Donc c'est vraiment important que les gens puissent enlever les cailloux et les remettre dans la mine, et puis même demander à la COGEMA qu'elle reprenne tout ce remblai. J'avais dit à Alors, en introduction, je voudrais vous montrer un transparent qui explicite en quoi c'est important de se poser la question de l'impact des mines d'uranium. Vous voyez qu'ici, l'extraction du minerai d'uranium, finalement, dans l'ensemble du cycle du nucléaire, c'est une des étapes les plus polluantes. Lorsque le minerai, les roches sont remontées à la surface, qu'elles viennent de la carrière ou qu'elles viennent des galeries, elles sont donc triées au compteur GGR, en gros. Si c'est pas trop radioactif, c'est stérile. Qui pose les problèmes qu'on a évoqués. Si c'est assez radioactif, c'est du minerai, ça va à l'usine CIMO, l'usine d'extraction de l'uranium. Le minerai est concassé, attaqué à l'acide. L'élément radioactif métallique uranium va servir à faire ensuite le combustible nucléaire. Donc dans cette usine, en fait, beaucoup de surfaces métalliques sont contaminées, comme par exemple l'armature métallique de cette lampe.
sur laquelle sont incrustées des particules d'uranium. J'ai ici un niveau de l'ordre de 1200 coups par seconde, alors que le niveau naturel est de 200. Donc dans ce local, le mur qui est jaunâtre est en fait incrusté d'uranium. À son contact, le niveau de radiation est au moins 10 fois supérieur à la normale. Et lorsque ce site a été rétrocédé à la mairie, un petit mur, un petit crépi a été posé ici pour atténuer un peu la radiation, mais elle reste tout à fait anormale. Et ça montre bien que derrière ce crépi, on va trouver probablement la même contamination en uranium. Donc il est évident que dans cet état, ce site ne peut absolument pas être réutilisé. Il faut absolument le décontaminer et le démanteler complètement. Si l'usine a enlevé l'uranium, elle n'a pas enlevé le radium, le thorium, le plomb-210, le polonium, le radon, etc. Donc cette boue est très radioactive. Ici, vous savez que ces résidus sont pour partie dans le grand bassin. Je crois que tu as une diapo du grand bassin. Donc le grand bassin qui fait 18 hectares, il contient, selon les chiffres COGEMA, 1,3 million de tonnes de ces résidus qui sont maintenus sous une lame d'à peu près, je crois, 2 mètres d'eau pour que le radon qui dégage n'aille pas trop dans l'atmosphère. Donc on n'a pas inclus dans l'étude de réflexion sur comment gérer ces résidus à très long terme. Et ça, il est évident que c'est un problème majeur qui devrait être étudié dans un autre cadre. Le collectif des bois noirs est né dans les années 80, c'est-à-dire au moment où on nous annonçait un centre de stockage pour remplacer l'exploitation de la mine. Donc là, vraiment, il y a eu une levée de boucliers, la population s'est mobilisée et il y a eu même des manifs importantes. Et donc le collectif bois noir a pris les choses en main et il existe toujours, quoi, 25 ans après. Donc ici, on se trouve à peu près à 1 km en aval de la mine et ces petits écoulements émettent à proximité un niveau de radiation qui est anormalement élevé, on peut le voir avec le radiomètre, puisque sur les berges ici, j'ai de l'ordre de 500 coups par seconde alors que le niveau naturel est de 200. Donc on a fait une analyse de ce sédiment et de cette terre au laboratoire il y a 2 ans. Et on a effectivement constaté un excès d'uranium et de radium dans cette terre, dans cette boue. Ce qui prouve qu'il y a là un écoulement non maîtrisé. D'ailleurs, COGEMA n'a pas réussi à nous expliquer d'où vient cette pollution. Il suffit par ailleurs de regarder l'aspect de cette boue, avec cette couleur ocre, pour se douter qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Il y a une agence anglaise qui s'installe à Saint-Jules. Ouais. Il y a eu une activité quadrée. Mais bon, là, il est parti. Promenade autour du bassin. Mais il y avait une balade autour du bassin. Mais les gens qui l'ont racheté, c'est vraiment pas compliqué de demander à la COGEMA, comme elle l'a fait à la Syrie Mondière, d'enlever les remblais. Tout à fait. C'est évident que la COGEMA, elle a passé beaucoup de temps à nous rouler dans la farine, quoi. C'est-à-dire que dans les années 80, on nous annonçait la fermeture de la mine sans nous annoncer qu'on aurait un centre de stockage derrière. C'est ce que je demande maintenant en tant qu'élu, c'est qu'il y ait un suivi de la population pour voir si éventuellement, il y a des risques. Le problème, effectivement, avec la radioactivité, contrairement à d'autres polluants, c'est que bon, les autres polluants, on les retrouve dans le corps encore. On peut mesurer. Hein, c'est le cas notamment de la dioxine, hein, où l'imprégnation, encore des populations françaises, est importante. Hein. Et c'est probablement d'ailleurs un problème extrêmement, beaucoup plus important que cette radioactivité dont on parle aujourd'hui. Et pour la radioactivité, malheureusement, ça peut ne laisser aucune trace. Vous nous parlez de doses supportables, alors qu'on n'a absolument aucune preuve scientifique que les doses admises au niveau européen, etc., correspondent à une réelle sécurité. On ne sait pas ce que font les doses minimes, et on n'a pas, ce qui a été dit tout à l'heure, le principe de précaution voudrait justement qu'on en tienne compte. La radioactivité, c'est effectivement une chose à prendre au sérieux, c'est pas pour autant que les dangers sont aussi incommensurables que ça. La validité des normes de radioprotection et l'évaluation des risques sont remises en cause par les scientifiques du CERI, le Comité européen sur le risque de l'irradiation. All of the health effects of radiation from internal substances have been based upon a study. Tous les effets sanitaires des radiations venant de substances internes sont basés sur une étude de la radiation externe et principalement sur une étude des survivants d'Hiroshima. Quand la bombe atomique a explosé, la radiation est venue de l'extérieur du corps. Les gens étaient dans la rue,
et il y a eu un grand éclair, brillant comme 1000 soleils. Leurs corps ont été irradiés et des dégâts génétiques se sont produits dans toutes les cellules de leur corps de manière égale. Donc, chaque cellule du corps a reçu la même quantité de radiation. Chaque cellule du corps avait la même probabilité d'être endommagée. Mais le problème avec la radiation interne, c'est qu'on ne peut pas en faire une moyenne. Parfois on peut, mais généralement non. Et la raison pour cela, comme illustré par la photo sur la couverture de ces livres, qui montre une particule de plutonium logée dans le poumon d'un rat, et ceci est appelé une étoile alpha, les petites lignes qui sortent de la particule, qui montrent que les tissus aux alentours de la particule reçoivent une très grande dose, alors que le reste du poumon ne reçoit aucune dose. Le tissu near the particle is receiving a very large dose, but the rest of the lung is receiving no dose at all. Quand le CIPR, la Commission internationale de protection contre les radiations, modélise ceci, ils vont prendre toute cette énergie de l'étoile alpha et ils vont la diluer dans le corps entier. Et quand ils disent quelle est la dose qu'ont reçue les enfants qui vivaient près de Sellafield, ils vont dire qu'elle est très faible, parce que la quantité d'énergie qui sort de chaque particule est effectivement très faible. Mais la masse du corps de l'enfant étant très importante, si vous divisez l'énergie par la masse, ça rend la dose très faible. Si j'étais assis devant un feu de charbon pour me réchauffer, je recevrais de l'énergie du feu et elle chaufferait mon corps. Et je pourrais en calculer la dose. Mais je pourrais recevoir la même dose si je mangeais un charbon incandescent. Là, vous voyez évidemment que l'un vous tuerait alors que l'autre ne pose pas de problème. Donc la science qui étaye toute l'étude et le modèle des risques des radiations est erronée pour presque uniquement la simple raison qu'elle ne prend pas en compte la dose de la cellule. Elle prend en compte la dose du corps. Le Niger, parmi les pays africains détenteurs de ressources en uranium, est aujourd'hui un important fournisseur pour les centrales nucléaires françaises, belges et européennes. CRIRAD ? Ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Cette association a été créée en 1986 suite à l'accident de Tchernobyl. Il y a une ONG locale à Arlit qui s'appelle Agerinman, qui a été constituée pour essayer d'améliorer la situation de la population sur les plans sanitaires, éducatifs, social, et qui nous a sollicité il y a un peu plus d'un an sur le plan de la radioactivité. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Ici, on est dans la zone de l'Aïr, au nord du Niger, où sur une bande de pratiquement 200 km, même plus entre Agadez et Arlit, il y a toute une série de gisements uranifères, dont actuellement deux sont exploités. Un par une carrière à ciel ouvert exploitée par la Somaïr à côté de la ville d'Arlit, ville qui est sortie du désert, qui a été créée justement pour accueillir les mineurs de cette mine. Et un peu plus au sud, la société Cominac exploite des mines souterraines. Donc les sociétés Cominac et Somaïr sont des filiales de Kogema Areva. Les gens ressentent ici vraiment un certain nombre de pathologies et une dégradation forte de la situation sanitaire depuis quelques années. Enfin, une dégradation progressive. Donc on a monté ce projet avec l'association Sherpa, soutenue par un certain nombre de partenaires, le ministère de l'Environnement français, le groupe des Verts au Parlement européen et personnellement Paul Lannoy, Greenpeace International. Compte tenu des dangers des radiations, les normes sont de plus en plus sévères. En France, tout récemment, la dose maximale annuelle admissible a été abaissée de 50 millisieverts par an à 20 millisieverts par an. Ce n'est pas le cas ici. Avec les nouveaux standards de protection occidentaux, les groupes industriels auraient du mal à faire travailler des personnels occidentaux dans ces conditions-là. Ici, sur cette plaque,
on a plutôt un peu plus que 20. Ouais. On n'est pas sûr, mais quand même, il y a quelque chose. Donc ça, ça vaut le coup de l'analyser au laboratoire. Parce qu'on va sûrement trouver un excès, quelque part peut-être, peut-être de plomb 210. Parce que le plomb 210, c'est l'élément de la chaîne de l'uranium qui, est, qui se retrouve le plus facilement dans la couche supérieure de la Terre. Parce que quand le radon s'envole, il se transforme dans l'air en plomb 210, qui retombe. Et le plomb 210, il dure longtemps. Il a une période de 20 ans. Oui, Agali. T'as pris une photo où on voit qu'il n'y a pas de grillage ? Oui. Tu peux en faire une comme ça pour qu'on voit que c'est à des kilomètres ? Ok. Cette montagne, c'est une montagne de résidus d'extraction de l'uranium, c'est-à-dire qu'après broyage du minerai, l'usine chimique extrait l'uranium, mais laisse 80% de la radioactivité. Ces déchets radioactifs devront être confinés à très long terme. Or là, il suffit de le regarder avec nos yeux, lorsqu'il y a du vent, ces poussières peuvent tout à fait s'envoler. Et quand il pleut, on peut tout à fait imaginer une infiltration dans les eaux souterraines. Ce qu'on constate ici, c'est que les deux entreprises sont en train d'assécher des nappes fossiles. Ça veut dire d'empêcher cette population d'avoir à long terme des ressources en eau potable. On a fait des prélèvements un peu de surface de sable en différents endroits, sachant qu'au quartex, on ne voit pas de différence significative d'un endroit à l'autre. Maintenant, ça n'exclut pas que dans la fraction la plus fine, il y a des différences, donc ça on le verra au labo. Au niveau, description de la situation ici, là on a beaucoup de choses à caractère social, je dirais. Par exemple, là, on vient de voir la poubelle, c'est une immensité de déchets, de poubelles, quoi, mais poubelles au sens de sac plastique. Et El Mustapha nous disait qu'en fait, c'est les ordures qui viennent du lotissement Cominac qui sont ramassées par des camions Cominac, et que Cominac vient ensuite balancer dans les faubourgs de la ville, quoi. Donc tu vois des enfants pieds nus et des chèvres qui mangent au milieu des ordures. Par rapport à l'image de protéger l'environnement, c'est quand même frappant. Ici, on a vécu une situation où on a pu travailler pendant seulement 2 jours sur le terrain, puisque nos appareils ont été bloqués, qu'on a perdu 3 jours à essayer de les récupérer en vain. Et en plus, ces 2 jours ont été passés dans une situation où on a dû faire attention en permanence à qui nous surveillait, passant près d'une gendarmerie, près d'un poste militaire. Le président de l'ONG Agarinman nous demandant à chaque fois de vite remonter dans la voiture parce qu'on allait nous repérer. On a utilisé un petit compteur Geiger de poche qu'on a pratiquement caché dans nos vêtements. Donc c'est vraiment des conditions de travail qui ne sont pas les bonnes pour faire du bon travail scientifique. Anako a dit, vous êtes ici en France, si vous êtes bloqué, c'est à cause de la France. Ça c'est ce qu'a dit Anako, le ministre. Le ministre Touareg, qui est conseiller auprès du président. On ne peut pas ramener beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Comment dire, ça va coûter cher le surpoids. Hein. On ne peut pas ramener beaucoup en plus politiquement parce que la douane va sûrement nous contrôler. Donc on est très limité au niveau appareil, au niveau quantité, au niveau méthode. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment très très préliminaire. Qu'est-ce qui fait que la radioactivité arrive dans la ville ? C'est l'eau. Alors l'eau, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce qu'on ne connaît pas le circuit de l'eau. Est-ce que cette eau, c'est celle qui est contaminée ? Est-ce que c'est l'autre ? Bon, c'est trop compliqué. Il faudrait passer du temps. Il faudrait que vous nous donniez des documents, il faudrait faire des enquêtes. Mais ça, vous pouvez le préparer aussi dans les mois qui viennent. Écrire pour demander les études hydrogéologiques, etc. Il y a 40 ans, l'uranium, il était à 20 mètres, à 100 mètres sous la Terre. À Imouraren, aujourd'hui, il est à 100 mètres sous la Terre. Donc à la surface, il n'y a pas de radioactivité anormale. Le rayonnement gamma, il ne passe pas. Le radon, il y a un petit peu de radon qui passe, mais pas beaucoup. Quand tout est concassé, fracturé,
Mais tout le monde peut comprendre que bon, la boue radioactive, elle est concentrée dans une montagne. Donc là, le radon, il est à la surface. Les poussières, elles sont à la surface. S'il pleut dessus, ça va tout transporter par-dessous. Donc tout le monde peut comprendre que, évidemment, après l'exploitation, si c'est pas bien géré, il y aura plus de radioactivité dans l'environnement qu'avant. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que vous avez un rôle aussi de formation des gens. Vous pouvez faire vous-même des enquêtes. Si vous pouvez, je ne sais pas si vous oserez le faire. Ouais, mais vous allez chez les ferrailleurs, vous faites des mesures avec le Quartex, vous notez tel objet, ouais. Un tuyau, telle longueur, c'est quoi? C'est une pompe, c'est un tuyau. J'ai mesuré telle valeur contre l'objet, j'ai mesuré à 50 cm, j'ai mesuré à 1 mètre. Vous nous envoyez les chiffres. Après, ensemble, on peut interpréter les résultats. Je suis en train de mesurer discrètement le rayonnement gamma qu'émet ces ferrailles. Elles sont manifestement contaminées puisque j'ai un niveau de radiation 10 fois supérieur à la normale. Ou alors on en choisit un et on l'achète. Hein ? Et oui. Alors oui, 118. 118 c'est, mais c'est tu quoi le tiens là ? Attends, 118. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là ? Je continue à faire le tour quand même ou pas ? Ouais. Je disais que je commençais par cette matière jaunâtre qui était au bord, là, parce que c'est probablement de l'uranate. Donc, de ce qu'on appelle vulgairement ce qui devient du yellow cake, quoi. Ça a toujours une couleur jaune, après. Souvent, très souvent. On a une matière qui est jaune et noire. Alors, je sais que le minerai, ici, est plutôt gris-noir. À notre avis, sans avoir fait une étude très poussée, il paraît évident qu'il y a des améliorations minimales à faire ici. Tout simplement, par exemple, cesser de laisser sortir des ferrailles contaminées de ces usines et les distribuer, les laisser sortir ici dans le village où tout un chacun peut acheter des ferrailles contaminées pour construire sa maison ou pour faire cuire sa nourriture. Voilà une chose toute simple qu'il faut stopper et qui ne coûtera pas d'argent. Mais là, je suis en train d'installer un masque à poussière à l'entrée du filtre à air de la voiture, et ça va concentrer les poussières dans ce masque. Il est évident que dans une zone désertique, il y a de la poussière. Mais ici, on a pu constater de visu qui s'abat sur la ville des nuages de poussière, probablement renforcés par la circulation des véhicules, à des horaires très précis, 7h-8h le matin, 18-19h et un peu plus en soirée, où là, la ville est recouverte d'un nuage de poussière. Non, stop. Bruno, oui. Ça marche à 200%. Quand on sait qu'autour de cette ville, il y a des mines d'uranium, donc des poussières uranifères qui sont générées, on peut suspecter que dans ces poussières, il y a un certain nombre de radionucléides. Après l'extraction de l'uranium, il faut encore transformer cet uranium en uranium enrichi et ensuite en oxyde d'uranium pour le rendre apte à la fabrication du combustible. En fin de compte, après toutes ces manipulations, chaque fois en des sites différents qui donnent forcément lieu à de multiples transports, le combustible est placé dans le réacteur où il est brûlé. Dans certaines centrales, on consomme un combustible mixte, le MOX, constitué d'oxyde d'uranium et de plutonium, le plutonium étant extrait des déchets dans les unités de retraitement comme la Hague ou Sellafield. Ceci accroît encore les risques, notamment lors du transport du plutonium, polluant radioactif considéré comme le plus dangereux au monde. Chacun donne la main, quoi. Je crois qu'il y a une chaîne humaine d'abord.
jusque-là? Ah bah oui, j'en profite. C'est un héroïsme limité. Il y a Soulaine en cours de remplissage et Bure en cours de croisement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce qu'on peut écrire là, on préfère que ce soit chez vous que chez nous? Ça fait plaisir de voir tout votre combat. Merci, merci à vous. Et puis eh ben, on continue tous. Oui, voilà. La preuve, on est tous là. Regarde ça que c'est beau. C'est idyllique cet endroit. Tu supprimes évidemment ça, les lignes à haute tension dans le fond. C'est quand même un site ici assez exceptionnel et manifestement le caractère champêtre de l'endroit a dû sauter aux yeux de pas mal d'observateurs. Oui, malheureusement, en arrière-fond, on voit apparaître les tours d'une centrale nucléaire. Et c'est vrai que nous sommes à Chaux, au bord de la Meuse, et que Chaux est un endroit qui, historiquement, a toujours été accueilli, je vais dire, les unités, les premières unités nucléaires à eau pressurisée en Europe, c'est-à-dire un prototype, et Chaux a continué sur sa destinée, puisque Chaux accueille maintenant les plus grosses unités nucléaires qui existent, donc les unités 1450 MW, et qu'il y en a deux, et que c'est aussi une des plus grosses unités de production européenne. Toute centrale nucléaire, mais en particulier celle-ci, rejette de façon tout à fait légale, donc c'est légal, ça ne veut pas dire que c'est légitime, mais c'est légal. Il y a d'ailleurs une enquête sur le projet. Des polluants radioactifs dans l'atmosphère et dans les eaux. Donc l'eau de la Meuse, qui entre parenthèses sert d'eau de boisson pour une partie des Pays-Bas et pour une partie de la Belgique, est polluée aussi par des rejets radioactifs, notamment du tritium, qui est de l'hydrogène hyper lourd, qui est un polluant radioactif préoccupant, et dont on ne connaît pas bien le comportement à long terme. Tout cela se retrouve quelque part dans, non seulement dans les organismes vivants, végétaux ou animaux, qui entourent le site, et quand je dis entourent, c'est même très loin au-delà du site, et surtout en aval, forcément, ça ne remonte pas le cours de la rivière, mais ça se retrouve en aval, et aussi... dans l'eau, bien sûr. Et aussi dans l'eau. Et ce qui est préoccupant à Chaux, c'est qu'effectivement, ce qui est une des caractéristiques de ce site nucléaire, c'est que c'est un site précisément à la frontière et... franco-belge, et on peut dire que même que c'est plus que la frontière, parce qu'en fait la pointe de Givet est vraiment une enclave en territoire belge, et donc à la fois la Meuse coule vers la Belgique, on le voit bien d'ailleurs, et on est au kilomètre moins 11 de la frontière ici, et d'autre part, les vents dominants, pour s'agissant de polluants atmosphériques par exemple, les vents dominants sont également sur la Belgique, sur Beaurain notamment, et je pense que ce n'est pas sans raison que l'on a installé de cette manière cette centrale aux portes même de la Belgique. Il y a un autre aspect qui était présent dans le combat antinucléaire, c'était le combat pour la démocratie, aussi dans le sens où des unités aussi dangereuses sont automatiquement porteuses de risques terroristes ou autres qui reviennent à la mode maintenant, 20 ans plus tard, depuis le 11 septembre 2001. La preuve, c'est qu'on s'est fait interviewer par les gendarmes et l'une. Oui, donc maintenant, il y a Vigipirate ici qui fonctionne, voilà. Et qui donc surveille tout ce qui touche de près ou de loin à la centrale nucléaire. On doit se montrer patte blanche pour filmer un paysage ici dans la région, ce qui est quand même un peu fort. C'est assez. Mais ça veut dire que c'est un état policier qui se met en place. Il y a eu quatre noms qui est sur la Moselle et qui est donc entre la France et l'Allemagne. Ouais. Donc c'est une centrale française qui rejette dans la Moselle vers l'Allemagne. Ouais. Et ici, c'est une centrale française qui rejette dans la Meuse vers la Belgique. C'est tout à fait parallèle. Ouais. Mais je trouve aussi que c'est emblématique d'une dimension plus fondamentale, je dirais, limite que de simple antinucléaire. C'est aussi la dimension respect démocratique, respect des choix que les gens peuvent décider, comment les gens peuvent décider de ce que va devenir leur région, des technologies qu'on leur impose. Est-ce que les technologies sont génératrices d'antidémocratie, oui ou non? Est-ce qu'une technologie en elle-même, et nous prétendons que c'est le cas avec le nucléaire, ne génère pas
le contraire de la démocratie. Et ça, ça doit être un des critères de notre réflexion évidemment. Écologique, évidemment. Évidemment. Parce qu'à partir du moment où on ne tient pas ça, on ne prend pas ça en compte, je pense qu'on est à côté de la question. Donc la première unité a démarré avec une opposition très forte venant du côté allemand, mmh. notamment, et luxembourgeois. Les luxembourgeois n'ont pas de centrale nucléaire sur leur territoire, mmh. mais ils ont la centrale de Cattenom qui est pratiquement luxembourgeoise par son impact sur l'environnement et sur les populations. Oui, bien sûr, nous, on a toujours dit, et puis tout le monde, hein, tout le monde est conscient que les vents dominants sont des vents d'ouest, ce que l'on ne souhaite pas, mais s'il y avait un problème au niveau des rejets radioactifs dans l'air, effectivement, ceux qui subissent les premières atteintes, ce sont nos voisins luxembourgeois. Et c'est pour ça qu'on comprend tout à fait aussi qu'eux soient les plus virulents, ce qui n'empêche qu'au départ, la population ici contestait aussi le projet. Ouais, ouais. Et ensuite, par la suite, ça s'est estompé. Et du côté allemand, il y avait un argument de plus, c'est le fait que les autorisations de rejet radioactif en France sont plus élevées qu'en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un facteur 10, si je me souviens bien. La France a signé la convention OSPAR donc, oui. pour limiter les rejets radioactifs dans les mers. Et la question que j'ai posée lors de la réunion sur cette question, c'est comment justifiez-vous qu'on puisse demander une augmentation de rejet de tritium qui va se retrouver dans le Rhin, qui va se retrouver dans la mer. Et là, il n'y a pas eu de réponse. Donc, effectivement, pourtant savoir que la Moselle se jette dans le Rhin et que le Rhin se jette dans la mer du Nord. Ah oui, mais de l'autre côté de la frontière, c'est peut-être plus ouais. leur problème. C'était ça le problème, en fin de compte, de ces concepteurs des centrales nucléaires. Ils n'avaient pas du tout intégré l'idée qu'au-delà des frontières, les gens étaient antinucléaires. Donc ils pensaient peut-être que l'Europe entière était pro-nucléaire. Acquise à la thèse selon laquelle le nucléaire, c'est l'avenir. Voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la France eh bien, est la seule qui se débat encore pour faire la promotion du nucléaire, évidemment, de relancer l'EPR, soi-disant la nouvelle génération, alors qu'il n'y a rien de nouveau en matière de réacteurs. C'est absolument scandaleux de vouloir faire croire à l'opinion française qu'il y a eu un débat sur l'énergie alors que ce débat avait uniquement comme objectif de mettre en place l'EPR, de dire à la société française, voilà, regardez, il y a eu un débat, on ne peut pas faire autrement, on doit remettre en place une nouvelle tranche nucléaire. Or, ce n'est pas vrai. Le débat, tous les débats qui ont eu lieu, ont montré qu'on voulait autre chose, que les Français voulaient autre chose, voulaient investir dans les énergies renouvelables. Après utilisation dans les centrales, le combustible usé est envoyé au centre de retraitement où le plutonium et l'uranium sont extraits. Le reste, constitué d'éléments radioactifs tous très toxiques et de longue durée de vie, est conditionné et entreposé jusqu'à un éventuel enfouissement en sous-sol, comme le propose l'industrie nucléaire.
Quand ce projet est arrivé ici, il y a 10 ans, la très très grande majorité des ce qu'on appelle ici pudiquement des opposants, moi je veux dire des citoyens résistants, il est vrai qu'on n'y connaissait absolument rien du tout dans le nucléaire, puisqu'on n'a pas de centrale, on n'a rien du tout. Et quand on nous a parlé de déchets nucléaires, quand on nous a parlé d'enfouissement, quand on a réfléchi, qu'on s'est dit qu'effectivement c'était tout ce qu'on voulait, mais pas une solution, effectivement on arrive après en se disant, mais oui, bon, alors s'il n'y a pas de solution, on a quand même des déchets, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et donc on est obligé de faire une démarche. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à cette époque-là, il y a quelques années, on cherchait des solutions. Et on disait partout, si, il faut faire autre chose, il y a d'autres solutions. Le stockage en surface ou en subsurface à quelques dizaines de profondeur. On nous a parlé de transmutation aussi, bombarder par des neutrons les déchets radioactifs, de manière à leur faire perdre soit un petit peu de durée de vie, soit un peu de toxicité, etc. Malheureusement, nos démarches nous obligent à dire maintenant, alors ça c'est grave et c'est très profond effectivement, nous obligent à dire aujourd'hui qu'en fait, partout où on se tourne, vers les spécialistes, physiciens et autres, chimistes et autres, il n'y a pas de solution. Alors évidemment, quand on dit ça à la population, on a les cheveux qui se restent sur la tête, parce qu'on a un monceau de ces déchets qui nous sont sur les bras, pour des générations et des générations, et on n'a pas de solution fiable. Alors ça, c'est extrêmement grave. Non seulement il y a ça, mais on nous préconise, on nous dit maintenant, ça y est, c'est quasiment officiel, on se relance dans le nucléaire. Alors là, on dit, mais on marche vraiment sur la tête. On a un fardeau extraordinaire sur les bras, et non seulement, au lieu de s'arrêter et puis de réfléchir sérieusement, on refonce dans le mur. Là, on ne comprend plus du tout, et là on tire vraiment la sonnette d'alarme en disant, où va-t-on, qu'est-ce qu'on fait? On a parlé de laboratoire, qui n'en est pas un, donc on a caché des choses. On a amené de l'argent, achat des consciences, c'est quand même pas normal d'amener un projet comme ça avec de l'argent, il suffisait simplement de faire la démocratie, de présenter, etc., etc. Et puis aussi, la loi disait qu'il devait y avoir des laboratoires dans différents sous-sols, de manière à pouvoir faire un choix en 2006 sur la meilleure roche possible. Et alors, on se rend compte qu'il n'y a en France qu'un seul laboratoire, entre guillemets, et qu'il n'y en aura qu'un. Ces déchets ont une toxicité énorme, et puis ont une durée de vie qui dure sur des, je disais tout à l'heure, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années pour certains. Comment est-ce qu'on va pouvoir être sûr qu'on enfouit ces déchets et que pendant tout ce temps-là, ils vont être tranquillement dans le sous-sol, ce qu'on appelle un coffre-fort, et ils vont être là gentiment et jamais ils vont ressortir à la biosphère? C'est proprement inconcevable. Alors peut-être que oui, peut-être que non. En fait, c'est un pari sur l'avenir. Et nous disons, nous, alors là, cette fois-ci, ce n'est plus de l'environnement, c'est de l'éthique. Est-ce qu'une génération, donc la nôtre, a le droit de prendre la décision d'enfouir ces déchets pour, si risque il y a, ça sera pour les générations qui vont venir et sur des centaines et des centaines de générations. Et à ce sujet-là, donc à ce niveau-là, nous disons non, nous n'avons pas le droit de prendre ce risque pour les gens qui viennent derrière nous. Mais il y a aussi tout l'aspect démocratique dont il faudrait parler, où ici, le pays des droits de l'homme, mais c'est invraisemblable, le mensonge, l'achat des consciences. Moi, quand j'étais gamin, je n'étais pas du tout plongé dans le nucléaire, je l'ai dit, puisqu'on n'en avait pas ici, mais j'entendais société nucléaire, société policière. Et puis, maintenant que j'avance un peu en âge et puis en expérience, ben, je me rends compte qu'on ne peut pas dire autrement. Non, et alors, on a un exemple frappant en ce moment, où au mois de juillet et au mois d'août, donc, le journal officiel en France, le gouvernement vient de nous faire un arrêté, complètement passé inaperçu, aucune publicité dessus, un arrêté secret défense. Interdiction de communiquer mais on a cru au début que c'était sur le transport. En fait, le test, il est clair, sur tout ce qui est matière nucléaire. Oui. Donc, depuis le début jusqu'à la fin ici, on ne peut plus communiquer aucune sorte d'information. Alors au point que les associations sont motocréneaux, mais aussi les milieux journalistiques, parce qu'ils ont compris qu'eux aussi étaient concernés. Les milieux politiques, il y a des CLI, comité local d'information, qui se sont mis en sommeil également. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. Le problème avec l'industrie nucléaire, c'est qu'ils disent que c'est une bonne idée, mais que quelques personnes vont en mourir. Et ils acceptent cela. C'est inclus dans leur modèle. Donc ils disent, avec cette quantité de doses, une personne sur 1 million va mourir de cancer. Une personne sur 1 million va mourir de cancer si on donne cette dose. Mais beaucoup de gens auront chaud parce qu'il y a de l'électricité bon marché. Ça, c'est l'argument. Mais si j'allais à Londres avec un fusil, un shotgun, deux coups, et si j'allais dans un hôtel et que je disais « Demain, je vais tuer une personne, en fait 6, parce que Londres compte 6 millions d'habitants, donc je vais tuer 6 personnes, mais il n'y a pas de problème parce que je suis l'industrie nucléaire, regardez, voici mon badge », eh bien, vous savez ce qui arriverait? Je serais arrêté et j'irais probablement en prison pour la vie si je tuais réellement 6 personnes.
Mais ils ont tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont morts à cause de l'industrie nucléaire. Beaucoup, beaucoup de gens. Même selon leurs propres calculs. Il y a deux grands arguments qui s'opposent. Il y a le CIPR, l'industrie nucléaire, les militaires d'un côté, et de l'autre côté, il y a les scientifiques indépendants, des enfants morts, des chaînes de télévision, des partis verts, des médecins ordinaires qui disent « Dites, tout le monde meurt, vous savez, quelque chose ne va pas ici. » Donc, à la fin des années 90, nous étions ici à Bruxelles et nous avons décidé de former une institution alternative et de rassembler des scientifiques indépendants et des experts de partout, principalement en Europe, pour avoir un regard sur les différences entre les deux modèles de risque et pour faire deux choses. Premièrement, essayer de découvrir comment le modèle de risque du CIPR a été construit et regarder les aspects scientifiques et éthiques, c'est-à-dire sociologiques du problème. Et d'un autre côté, essayer de construire un nouveau modèle de risque et pour cela, observer tous les endroits où il y a eu des dégagements de radioactivité dans les 50 dernières années et examiner les effets sur les gens qui ont été irradiés. Et observer combien il y a eu de cancers, d'enfants morts ou de malformations congénitales. Nous comptons quelques personnes très éminentes et il n'est plus possible pour le CIPR ou pour les gouvernements des États membres de venir nous trouver, nous, ou les activistes verts, les antinucléaires, et nous dire « vous ne savez pas de quoi vous parlez, ce sont des bêtises, vous êtes trop émotionnels, vous ne comprenez pas la science ». C'est le genre de choses qu'ils avaient l'habitude de dire. En fait, nous comprenons la science, ce sont eux qui ne comprennent pas la science. Plus de 60 millions de personnes vont mourir de cancer à cause des dégagements de radioactivité dans l'environnement, des retombées des armes, de Tchernobyl, de Kishtim en Russie, de tous les dégagements qui sont autorisés par la loi, des sites de retraitement comme la Hague ou Sellafield qui est à présent la principale source de radioactivité sur Terre. Le centre de retraitement des déchets nucléaires de Sellafield se trouve en Angleterre, en bord de mer d'Irlande. Nous sommes en face de Sellafield, à quelques dizaines de kilomètres sur la côte irlandaise. Il y a une pollution intense de la mer d'Irlande à cause de la conduite qui sort de Sellafield. Ils mettent délibérément des déchets radioactifs dans la mer d'Irlande. Ces déchets viennent jusqu'ici et maintenant nous savons qu'ils s'accumulent dans les sédiments, particulièrement du côté nord de Carlingford Lough. Mais nous avons également peur d'une pollution plus large de la mer d'Irlande qui s'étend au sud jusqu'à Wexford. This is a very populated coast of Ireland and we really are aware of. C'est une côte irlandaise très peuplée et nous sommes préoccupés par les effets sur la santé. Les gens de la région ont toujours été très conscients des dangers de Sellafield. Pas seulement de la pollution qui est rejetée dans les sédiments de Carlingford Lough, mais aussi du danger d'une explosion qui, en fait, s'est déjà produite suite à un incendie en 1957. Et depuis lors, les gens de la région sont tout à fait conscients des effets sur la santé et des dangers des retombées radioactives. Cet incendie a été plus important que Three Mile Island et a été l'explosion nucléaire la plus grave depuis l'incendie de Tchernobyl. Les gens se sont largement mobilisés à propos des dangers de la pollution de Sellafield et le gouvernement a adopté une position assez dure. Ils ont fait des réclamations auprès du gouvernement britannique. Ils ont porté plainte pour pollution de la mer devant la Cour internationale. Mais l'Union européenne ne fait rien, parce qu'elle ne contrôle pas vraiment la pollution radioactive, que ce soit de Sellafield ou d'ailleurs.
radioactive pollution from Sellafield, or indeed at all. When we joined the European Union and quand nous avons rejoint l'Union européenne et que la Commission européenne a voulu que l'Irlande ait une centrale nucléaire, je vivais dans le sud, à Wexford, près de l'endroit prévu pour la centrale. J'ai pris part à la campagne contre la centrale. L'activiste allemande Petra Kelly est venue nous soutenir et cela a été le début du mouvement écologiste en Irlande. Nous avons réussi à ce que le gouvernement revoie sa décision et il n'y a pas de nucléaire en Irlande aujourd'hui. And so Ireland is nuclear free today. The problem is that the IRC. Le problème, c'est que la mer d'Irlande devient délibérément radioactive à cause principalement de la canalisation de Sellafield qui libère de la radioactivité, ce qui fait que toute la mer d'Irlande est menacée. The whole of the IRC is at risk. We know that there's been high levels of technetium 99. Nous savons qu'on a trouvé des niveaux élevés de technétium 99 dans des crustacés. Nous savons que le gouvernement norvégien est très, très préoccupé pour des endroits aussi éloignés que ces territoires de pêche arctique. Nous sommes très tracassés par le fait que, à la fois le gouvernement britannique et le Centre de radioprotection irlandais maintiennent qu'il n'y a pas de danger à manger des fruits de mer pollués. Parce qu'en réalité, nous pensons que les risques sont sous-évalués et nous restons convaincus qu'il faut une analyse correcte des effets du technétium et du césium dans les fruits de mer. And cesium in seafood. So I'm from Dundalk, and I grew up. Je suis de Dundalk. J'ai grandi à deux rues d'ici, et voilà mon travail. Je gère ce pub appelé le Spirit Store. Il est assez connu dans le coin comme un endroit où il y a des concerts et un bon bar pour boire un verre. And a good bar to drink in. Hello, Spirit Store. My good friend here, Olin. Mon bon ami Eowyn est co-plaignant avec moi dans le procès contre Sellafield et un bon copain de sortie. Les gens posent tout le temps la question, pourquoi devrions-nous souffrir de la pollution des déchets nucléaires des autres? Pas seulement les déchets nucléaires d'Angleterre, mais aussi du fait que Sellafield dépend d'importations de la terre entière pour se légitimer économiquement. Et là encore, il y a d'autres questions. Pourquoi devrions-nous avoir la pollution nucléaire mondiale devant notre porte? Et nous sommes toujours, Dieu merci, un pays sans nucléaire. Et ceci en grande partie grâce aux protestations des années 70 à Carnsore. Je me rappelle que durant trois étés, il y a eu une vague d'opposition à cette proposition du gouvernement, et cela a été encadré à l'époque par tout le mouvement écologiste. Et la prise de conscience de l'environnement a débuté en Irlande parce que jusque-là, pour l'Irlande, un environnement propre paraissait normal. Mais tout cela a changé avec les événements de Carnsore. Depuis lors, en 1994, nous avons porté plainte contre Sellafield. Et puis plus récemment, les attaques terroristes aux États-Unis ont renforcé notre plainte par le fait que Sellafield fait courir un danger inacceptable pour la population irlandaise. That Sellafield poses an unacceptable threat in terms of terrorism to the population of Ireland. You must appreciate that. Il faut se rendre compte que la quantité totale de césium qui se trouve dans les réservoirs de déchets hautement radioactifs de Sellafield n'est pas la même que celle qui est sortie de Tchernobyl. Elle n'est pas deux ou trois fois supérieure, elle est 80 à 90 fois supérieure à la quantité de césium qui s'est échappée des réacteurs de Tchernobyl. C'est cela que les Irlandais, les Anglais et les peuples d'Europe du Nord auraient à combattre si ces réservoirs de déchets hautement radioactifs explosaient à cause d'un accident technique, un acte de terrorisme avec un avion qui s'écraserait, ou n'importe quelle erreur humaine. Une des preuves que nous possédons, ce sont des particules d'américium découvertes dans la boue en dessous du pont principal, ici à Dundalk. Tous les automobilistes qui vont de Belfast à Dublin et qui traversent ce pont savent qu'on y a trouvé des particules radioactives. Nous savons qu'elles proviennent de Sellafield parce que l'américium descend du plutonium. Welcome to Cairnsore Point. Here on the most. Bienvenue à Cairnsore, l'extrémité sud-est de l'Irlande. Un endroit très spécial, à plusieurs points de vue. D'un côté, nous avons l'Atlantique, qui rejoint la mer d'Irlande. C'est peut-être l'endroit où les premiers colons sont arrivés en Irlande, mais c'est un endroit très spécial aujourd'hui, parce que nous avons la plus grande ferme éolienne du pays.
Spécial parce qu'il y a 25 ans, c'était l'endroit choisi pour construire la première centrale nucléaire irlandaise. C'est la réalisation d'un rêve que de marcher dans ce site, où nous aurions pu avoir jusqu'à 3 réacteurs nucléaires. De marcher dans ce même site aujourd'hui et de voir ces magnifiques machines alternatives qui nous fournissent de l'énergie. Cela montre que si les gens rêvent assez et travaillent assez, ils peuvent changer les choses. Les gens se sont levés. Des gens ordinaires ont dit « Non, on ne veut pas de ça ici. Nous voulons chercher d'autres méthodes. » Elles en étaient encore à leur balbutiement à l'époque. Mais depuis lors, il a été prouvé que ces alternatives peuvent fonctionner, qu'elles peuvent faire partie de notre style de vie. L'homme, avec son intelligence brillante, son esprit d'invention, peut sûrement trouver d'autres formes d'énergie qui ne seraient pas un danger pour la race humaine. No script. La fille d'Orvésie m'a dit, va dans ses cicotines.